Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour une vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Nous allons partir en PVP, on va aller tester deux teams différentes les amis. Forcément, l'une des teams les plus fortes de ma box, la Zenkai SSJ, avec le Broly, hein, le Broly, ça casse des bouches, on le sait très bien, le Badak SSJ, c'est pareil. Et forcément, on va prendre une team Saiyan avec le Goku SSJ 3 LF. J'ai rajouté le petit Badak, voilà, pour le petit clin d'œil, parce que moi, Badak, c'est mon perso préféré dans l'univers de Dragon Ball. Après, bien évidemment, il est en dessous, hein, voilà, on va pas se mentir, c'est le Badak Transfo avec son fameux, le fameux ruban. Moi, je kiffe, on va juste voir un petit peu ce que ça donne la différence de puissance, hein, forcément, la Zenkai SSJ contre une team Saiyan telle que celle-ci, quoique elle est quand même assez balèze, hein, celle-ci, on va pas se le mentir, mais avec quelle team, eh bien, je me sens le plus à l'aise en PVP. On va voir ça, let's go, c'est parti. Ok, très bien, on a une team famille royale de Vegeta en face de nous. On va prendre le Badak, le Gogeta et le Goku SSJ 3, je vais même pas prendre le Broly. On va voir ce que ça va donner. Yeah, allez, c'est parti pour cette première game. Ok, ça passe. Bon, bah voilà, Badak, hein, sans surprise. Ça casse de la bouche. On connaît la team SSJ, franchement, très, très forte sur le jeu. On a l'impression que ça s'arrête même plus de taper. Oh là 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 là. Là, on va mettre le Gogeta. Ah, dommage, je pensais que ça allait être une strike. Ok, parfait. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait que de taper? J'ai fait que de taper. J'ai fait que de taper avec cette team. Ça y est, il me touche enfin. Par contre, voilà, le Majin, forcément, il fait mal. En plus, il n'était pas encore transfo, son Majin, incroyable. Le Majin Vegeta, franchement, il est incroyable. Ok. Allez, la carte verte, on connaît. Let's go, allez. Pas mal, ça. On Rising Rush là-dessus, on perd pas tant. Ah, il a mis... Ok, on va mettre la verte. Allez, espérons qu'il me contre pas. J'en ai marre de me faire contrer tout le temps, c'est incroyable. Il y a trop de contre de Rising Rush, franchement, c'est trop. Qu'est-ce que je vous disais? C'est un truc de fou. Allez, ça dégage, allez. C'est un truc de fou, les contre de Rising Rush, franchement, c'est... Allez, voilà, hop, bim, allez. Tu vas manger. Tu vas manger la compote de pommes. Voilà, tiens, prends. Vas-y, prends ça aussi. Allez, prends ça aussi. Allez, voilà, hop. Ah, le Badak SSJ, il fait plaisir quand même. Il fait vraiment plaisir. Allez, un petit stun, ça serait bien. Ah. Bah là, oui, là, il me faudrait un stun. La vérité, là, il faudrait un stun, ça serait bien. Comme ça, au moins, on se met bien. Et il y a un stun. Oh, le mesquin, il a pas de chance. Ah, il doit rager. Il doit rager. Là, on va mettre Gogeta pour l'aspect. Mais non, je voulais Gogeta. Oh là 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 là. Ok. Ok, ok. J'ai demandé à ramener Gogeta, mais le jeu en a décidé autrement. La verte. Ah, il s'est pas fait avoir. Il s'est pas fait avoir, le garçon. Aïe, 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 je suis pas bon. Wow. Je suis pas bon du tout. Alors, en clash, là, je suis pas bon du tout. Mais bon, on est bien dans la game. Hein. La vérité, on est bien dans la game, là. Allez, Rising Rush, forcément. Allez, moi, je le contre ou pas? Il m'a contré, je le contre ou pas? Il m'a contré, je le contre ou pas? Et on te contre, mon petit! C'est comme ça, ici, dans la cour de récréation. Mince, je pensais pas qu'il allait faire le switch. Oh là là, le Majin, attention, parce que là, ça cogne. Hein. Là, ça cogne dur. Par contre, là, ouais, non, là t'as fail. Là, t'as fail, mon garçon. Oh là là, le Badak. Badaku. Badaku. Bon, bah là. Forcément, le ki, il est revenu à zéro. Voilà. Le pas de côté qu'il fallait pas, monsieur. La bonne tempo. On kiffe. Ok. Carte verte, dommage. Parfait, ça. C'est parfait ça les amis. Incroyable, Badak SSJ. Bon, on a vu que voilà, là, la team SSJ, elle est incroyable. La vérité, vous avez vu, je suis habitué à la jouer, ça casse de la bouche. Maintenant, on va aller prendre la team Saiyan
et on va voir la différence entre ces deux teams. Est-ce que je me sentirai autant à l'aise? Voilà, je viens de prendre la team Saiyan. On est quand même classé top 15k en ce début de saison. Après, les points, ça monte hyper vite. Allez, let's go, on va rechercher une partie. Donc voilà, là, j'ai pris la team Saiyan. Le Goku SSJ 3 LF Zenkai 7 n'est toujours pas à 1400%, les amis. On l'a monté en live hier ensemble. J'ai monté l'arbre numéro 1, 2, 3 et numéro 6. Mais il n'est pas à 1400%. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors là, là, ça va jouer cancer. Là, c'est 18, tout ça, donc Migaté... Oh là là, il y a même le Mystère Saturn pour les torpeurs. Donc là, on va prendre Migaté, Goku, SCJ3, LF. Je prends Badak ou pas pour la C18? Ouais, non, je sais pas. Allez, vas-y, on prend Badak pour le beau jeu. On prend Badak pour le beau jeu. All for One. Eh, c'est pas la guilde de Fitzadri, ça? All for One. Tout ce que j'espère, les gars, c'est que je me mange pas les torpeurs de Mr. Saturn. C'est horrible. C'est horrible. C'est tout ce que j'espère. Surtout que là, voilà, je maîtrise pas encore bien la team Saiyan. Voilà. I'm OP. Je sais pas s'il fait partie de la guilde de Fitzadri, mais je crois que All for One, c'est bien la guilde de Fitzadri. Je sais pas, on verra bien. Allez. Pas de torpeur, s'il te plaît. Non! Non! Non, non, oh, franchement, c'est n'importe quoi. 4 torpeurs, j'ai pris 4 torpeurs. J'ai pris 4 torpeurs. Ok, la cover de Badak. C'est ça qui fait plaisir avec ce Badak Transfo, il a une cover blast. Ok, bon, il a... Non, encore une torpeur. 5 torpeurs, 5 frères. Voilà. Eh, hey, Badak quand même, hein, sur la C18. Hein. Il faisait mal. Hein. Normal, bon, il y a le contre-type, mais quand même, pour un perso... qui est quand même assez vieux. Allez, mange, mange. Toi, t'es torpeur, là. Mange. Voilà. Putain, ça l'a même pas shooté. Hein. Je pensais qu'il allait être one-shot. Oh là là, en plus, il a récupéré de la vie. Il me lock et tout. Pas de torpeur, vas-y. Non, par contre, il peut taper. Pff. Ok, la verte. Bim. Allez, let's go. Migaté, les amis, hein, franchement, je trouve qu'il est sous-estimé dans le jeu, parce que moi, je le trouve extrêmement fort, mais j'aime pas les torpeurs. 6 torpeurs, on a pris 6 6 6 torpeurs. Oh là 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 là. Ok. Ok. Non, 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 non. Voilà. Il attendait la break cover avec le Goku, mais je me suis pas fait avoir. Le Migaté, c'est ce que je disais, hein, franchement, très sous-estimé, alors que il est vraiment très fort. Vraiment très fort. Pas beaucoup de défense, c'est vrai. Mais par contre, avec sa double esquive, bah, je trouve que, voilà, ça ajuste un peu le truc. Parfait, ça. S'il te plaît, contre pas. S'il te plaît, contre pas. Voilà, le Migaté, franchement, je le trouve excellentissime. Très, très fort. Yes, ça passe. Allez, la C18, ça fout le camp. Du moins, j'espère. Parce que comme je suis à contre... Ouh. C'est pas sûr que ça tue, ça. C'est pas sûr que ça tue, ça. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, ça dégage. Ok. Ok. Donc là, on peut se permettre de perdre un peu de vie. Ah, par contre, non, non. Voilà, on va mettre le Badak là-dessus. Est-ce que je le contre? Est-ce que j'ai de la chance? Non, j'en ai pas. Ça aurait été bien de le contrer, mais bon, on en demande beaucoup. Bon, c'est pas grave. Le Badak, il aura fait quand même le taf, hein, sur la C18. Badak. Ok, donc là, j'ai la double esquive. Ok, il a attendu en fond de map. Pas de problème. Ok, et là, ça va partir sur un legendary finish, à moins qu'il quitte. Mais... Incroyable, Legendary finish pour cette première game dans cette vidéo avec la team Saiyan. Franchement, les torpeurs m'ont fait peut-être un peu vriller. Je me rends pas compte des fois, les amis, hein, si je crie ou quoi en vidéo, mais ça me fait tellement vriller. Après, voilà, bon, bah, c'est le jeu. En tout cas, GG à lui parce qu'au moins, il a pas quitté. Il a joué le jeu, il a laissé le Legendary finish. Et forcément, quand tu fais une vidéo, ça fait plaisir. C'est mieux que de voir
un rage quit. Je ne sais pas en tout cas si il était dans la guilde de Fitzadri, mais si c'est le cas, eh bah, GG à lui. Franchement, très belle game. Et franchement, Mr. Saturn, frère, si tu regardes cette vidéo, incroyable. Les torpeurs, franchement, ça fait vriller. Allez, prochaine game avec la team Saiyan. Yeah! Ok, belle team future là en face de nous avec un Goku Blue Zenkai 7. Il y a le VB, tout ça, quasiment 3000 de bonus. Là je vais pas prendre le Badak, hein. Là on va prendre Migate, le Goku LF et le Majin Vegeta, les amis. Badak, ça serait trop chaud là. Allez, troisième game. Voilà, tu vois, avec Migate t'avances tranquillement, t'as la double esquive, t'es serein. Ok, ok, parfait ça. La verte, bim. Ah par contre là ils peuvent mettre le Vegeta. Putain, ah ouais, bien joué. J'avais oublié la cover de Vegeta, bon c'est pas grave. Ok. Le Majin. Allez, reste fond de map. Hein. Voilà, allez, mange. Tu veux rester fond de map? Moi, je viens de chercher, frère. On va se transfo. Perds pas de temps, hein, direct. Hein. Quelle classe aussi, le Majin Vegeta. Regardez, sur le Goku Blue Zenkai 7, hein, il avait fait des dégâts. Hein. Ah, il encaisse quand même. Hein. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. La cover. Il reste fond de map, le mec. Oh là là. Ok. Tu peux cogner. On peut perdre un peu de vie avec le Goku SSJ 3 LF. C'est pas dramatique parce qu'avec son main, il récupère des PV. 35% de PV, donc... autant te dire que c'est pas négligeable. Voilà, c'est ça qui est stylé. Comme ça, moi, ça me permet de récupérer l'esquive. Par contre, là, j'ai pas été bon dans la tempo. Il y a des petits lags par moment là. Non, déjà. Oh là 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 là, s'il te plaît, faut que je le contre. Putain, il a déjà le Rising Rush. Oh là là, je le contre pas. Ça va être chaud. J'ai perdu le Majin Vegeta. Là, ça va être très 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 chaud. Parce que j'ai Migate. Et lui, il a son Vegeta Zenkai SSJ God. Ok, il a disparu. Ok. Oh là là, ça fait mal. Allez, let's go. Ah ah, il avait disparu. Mais il avait disparu. Mais il avait disparu. Il fait que son main maintenant. C'est quoi ça? Il y a un truc que j'ai loupé là ou quoi? On est sur un cheater ou quoi? Comment il a pu disparaître tout de suite? Il venait de disparaître, wesh. Oh là 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 là. Oh, je suis pas bien dans la game. Oh, je suis pas bien. Il y a quasiment tous ces persos full life. Là, je suis pas bien. Allez. Encaisse. Heureusement qu'il tank le Goku SSJ 3. Non. Deuxième. Non, c'est trop. Non, la vérité, c'est trop. Déjà, il y a une esquive chelou. Il y a déjà un deuxième Rising Rush. Allez, chat, mange. Oh là là, je suis pas bien du tout dans la game. La vérité, je suis pas bien du tout. Oh, je suis pas bien. Ok, 1v3 avec Goku. 1v3 avec Goku. 1v3 avec Goku. Let's go. Let's go. Allez, mange. Let's go. Prends-toi ça. Mets le Vegeta. Ah, il l'a pas mis. Mais attendez les gars, il a esquivé à un moment où normalement il devait pas esquiver. Il a eu deux Rising Rush. Je sais pas s'il a cheat ou quoi. Dites-le moi dans les commentaires. Moi j'ai pas le temps d'analyser ça en plein combat. Number Wanda. Ok. Eh mais attendez, si on arrive à le fumer, on aura fait un 1v3 avec le Goku là. Si on arrive à le fumer, on aura fait un 1v3 avec le Goku. Faut pas que je me rate. Hop, ok. Ah ah ah. Boum. 1v3 avec le Goku SSJ 3 LF. Qui vient me dire maintenant qu'il est pas bon ce Goku SSJ 3 LF?
Voilà, et il est même pas à 1400%, les frérots. Il est même pas à 1400%. Je veux rien entendre maintenant. Ce Goku, il est incroyable. Avec un joueur comme ça, qui a eu deux Rising Rush dans la game, qui nous a fait une esquive, je sais même pas comment. Peut-être j'ai loupé un truc dans la game, j'en sais rien. Je m'y attendais vraiment pas. C'est un truc de fou furieux, les amis. Incroyable. 1v3 avec le Goku SSJ. Avec le Goku SSJ3 LF Zenkai, la vérité, alors qu'il n'est même pas 1400%, c'est incroyable. Et regardez, du coup, on est quand même dans le top 12k, hein. Top 12k, bon, c'est le début, voilà. On n'oublie pas, les points sont doublés. Bon, bah, je crois que je vais m'arrêter là, elle est parfaite, la vidéo. Je pense que ça met bien en valeur le Goku SSJ3 LF Zenkai. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Faudra que je remate un peu la game. J'ai pas compris le Goku Blue Zenkai, comment il a fait pour esquiver une deuxième fois 3-4 secondes après. C'est très chelou. Bon, après, il a activé son main. Forcément, il peut réesquiver une fois qu'il a activé son main, mais juste avant, il ne l'avait pas activé. Bon, bref, dites-le moi dans les commentaires. Max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à partager. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek? Ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!